Qui a déjà entendu parler du cloud? Levez la main. Alors là, je vais voir tout le monde, normalement. Toi, tu connais pas Marc. D'accord, je retiens. voilà. Qui l'utilise? Qui l'utilise? Ah, donc il y en a déjà. Oui, non, mais là, vous comptez pas. Non, 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 voilà. Et maintenant, la question qui tue. Qui sait ce que c'est? Voilà, bravo. D'accord, donc c'est ça. Tout le monde l'utilise, mais personne ne sait ce que c'est. Super. Voilà. C'est un peu le constat qu'on en fait, c'est un peu un buzzword, le mot cloud. Donc on est un peu ici pour en discuter, essayer de démocratiser et de voir quels sont les avantages ou non de passer au cloud. Donc autour de la table, j'ai trois intervenants. Je vais vous laisser vous présenter, ce sera plus simple. Tristan Nito, je travaille dans une start-up française qui s'appelle Cozy Cloud, qui fait du cloud. Et donc ça veut dire nuage douillet en français. Je suis directeur produit chez Cozy Cloud et en fait je viens d'arriver récemment, je viens de terminer ma période d'essai, je n'ai toujours pas été viré, donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a encore 6 mois j'étais chez Mozilla, où j'ai passé 17 ans en fait sur le projet Mozilla. Bonjour, Vincent Corrèz, moi je travaille dans une entreprise nantaise qui s'appelle L'Accord, qui est aussi une association, et on est utilisateur du cloud en tant qu'entreprise. Bonjour, Régis Leroy. Moi, je travaille chez Machina Corpus. Je suis plutôt un ingénieur web. Je travaille dans le domaine de la sécurité sur le web. Je suis utilisateur du cloud pour des clients par moment. Et voilà, j'ai plutôt une vision d'ingénieur sécurité sur le cloud. D'accord, super. Comme on l'a vu, le cloud est un buzzword, on met beaucoup de choses dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du cloud? Qu'est-ce que c'est? La différence entre du PaaS, du SaaS, cloud, etc. En quelques mots, parce que je sais que vous pouvez en tenir des conférences là-dessus. Alors on va faire hyper vite, hyper voilà. Vite. La définition du cloud, c'est que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà. Ah. C'est le truc qu'il faut retenir. C'est du peer-to-peer, on est d'accord. Non, c'est un ordinateur où tu vas faire tourner des logiciels et qui ont inévitablement les données dessus, mais c'est pas ton ordinateur. Donc tu n'es jamais sûr que ce qui tourne est bien le logiciel que tu voudrais faire tourner, et tu n'es donc jamais sûr de ce qui est fait de tes données. Tu es plus ou moins sûr, il y a des cas où tu n'es pas sûr du tout, il y a des cas où tu es quasiment certain, c'est pas ton ordinateur, tu le contrôles pas, il est dans un data center connecté à Internet. Et c'est là-dessus que tu fais tourner des logiciels. Je pense qu'à côté, il va y avoir... Oui, c'est ça. Simplement, il y a quelques nuances. Il y a des fois où c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais en tant qu'entreprise, on a payé pour avoir cet ordinateur, donc il n'est pas à nous, mais on le loue et il est dédié pour nous. Et puis, il y a des cas où on ne paye rien. Et dans ce cas-là, la vraie question, c'est avec quoi on paye? Parce que les gens qui font tourner l'ordinateur... se rémunèrent quand même d'une manière ou d'une autre. Et si on ne paye rien, c'est qu'on paye bien avec quelque chose. Et en général, on paye avec ses données dans ces situations-là. Voilà. Après, techniquement, dans le cloud aujourd'hui, il y a plusieurs types de solutions. Il y a ce qu'on appelle le SaaS, le PaaS. Parfois, on ne fait qu'utiliser un service. Des fois, on utilise des applications. Des fois, on achète des serveurs qui sont mis dans un data center. Des fois on peut avoir son propre data center, et là je dirais qu'on sort du cloud uniquement quand on a son propre data center, ce qui à l'échelle d'une entreprise est quasi infaisable, enfin, dépend de la taille de l'entreprise, mais donc, très très vite on est quand même soumis au fait que les ordinateurs sont chez un hébergeur. D'accord, donc voilà. OVH, Gandhi, pour vous c'est du cloud, et je vais aller un peu plus loin, là j'ai un peu vous titiller, vous connaissez sûrement le projet SETI at Home, où en fait il y a des calculs qui sont faits sur les ordinateurs des autres, à la rigueur c'est du cloud communautaire quoi. Oui, ouais, on va simplifier, voilà. D'accord. Très bien. Quels sont pour vous donc les avantages d'aller sur des solutions de cloud par rapport à je suis une entreprise, je veux plutôt héberger ça chez moi, faire du vrai internet, au lieu d'aller sur du cloud, que ce soit pour du PaaS ou du SaaS? Alors en fait, il y a deux avantages énormes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. C'est un mot compliqué pour dire que le jour où j'ai besoin de plus de puissance informatique, elle est disponible. Donc le jour où mon serveur n'est pas assez puissant, en fait, il suffit d'un clic, il suffit
Oui, d'un clic, très concrètement, pour qu'ils deviennent plus puissants et qu'ils répondent à ma demande. Et c'est que je paye que ce que j'utilise aussi. Je paye que la puissance informatique que j'utilise. Donc il y a un très très bon exemple qui est connu et qui est local, c'est le site internet des 24 heures du Mans. Pendant toute l'année, ils ont 30 connexions par jour et que dalle. Et puis pendant les 24 heures du Mans, ils ont un des sites les plus visités en France. Ça, ça ne marche que si le cloud existe. Puis il y a un deuxième avantage avec le cloud, c'est que quand on met des données dans le cloud, là je parle plutôt du cloud public, entre guillemets, ça juste marche. C'est-à-dire, il suffit que je crée un compte et ça y est, ça marche. Ça fonctionne et ça fait ce que j'ai envie que ça fasse. Tout ce qui est conséquences commerciales, sécurité, etc., on ne regarde pas, on crée un compte, on ouvre et ça marche. Ça a une facilité absolument extraordinaire, et ça a une facilité, c'est là où ça devient un peu dangereux, même pour l'entreprise, je te passe la parole, c'est que ça marche très bien, y compris pour un utilisateur de l'entreprise qui a contacté personne, qui a vérifié, qui a posé la question à personne et qui s'ouvre un compte sur une application. Quand l'utilisateur en question, c'est le DRH qui ouvre un compte pour gérer la paye de l'entreprise, ça peut être un peu compliqué. Alors effectivement, là, ça, en fait, tu viens de montrer un exemple de ce qu'on appelle le SaaS, S-A-A-S, Software as a Service. C'est-à-dire que je vais utiliser du logiciel en tant que service. Je vais me connecter sur un site, payant ou pas payant. La distinction est importante, parce qu'il y a un gros problème derrière. Et là, je peux, dès le début, commencer à utiliser un logiciel sans avoir à me préoccuper de où se trouve l'ordinateur, combien il coûte, me préoccuper du système d'exploitation qui tourne dessus, j'ai pas à me préoccuper du logiciel qui tourne dessus. Avec, dans le cadre du service, j'ai l'ordinateur qui fait tourner le logiciel et ce quelqu'un, cet administrateur que je ne vois pas, que je ne verrai jamais, qui s'occupe que tout fonctionne bien. Donc j'utilise du logiciel comme j'utilise un service. Juste en me connectant, j'ai accès au logiciel. C'est extrêmement sexy parce qu'il n'y a pas de frein à l'adoption, et ça peut être aussi extrêmement dangereux parce que en tant qu'individu, je ne pense pas toujours, et là j'ai tort, à lire les conditions générales d'utilisation, les CGU, et je ne sais pas. Tant que je ne les ai pas lus, approuvés, et puis il faudra les faire relire par un juriste. C'est lu, pas approuvé, parce qu'approuvés, on les approuve tous, mais on ne les lit pas. Voilà. il faudra les faire approuver par un juriste qui mesurer le risque que j'ai à mettre des données qui sont souvent plus sensibles qu'on le pense, stockées sur un ordinateur dont on ne sait pas où il se trouve, avec un logiciel et on ne sait pas exactement ce qu'il fait, et on ne sait pas qui est l'administrateur, et lui, il a accès aux données. Donc il y a potentiellement beaucoup de problèmes. On se dit, oui, mais bon, en fait, mes données, les gens ne s'y intéressent pas, j'ai rien à cacher, vous m'emmerdez avec vos questions. Enfin, voilà. Et je vais commencer parce que j'ai besoin d'utiliser ce logiciel. Je me dis que c'est une bonne façon d'utiliser du logiciel, là, comme ça, là, tout de suite. Et il y a un vrai problème, c'est qu'on a tous quelque chose à cacher. Mais je ne parle pas des malfaiteurs. Mais tout simplement, dès qu'on est dans une société commerciale, on a tous quelque chose à cacher. Ça va être une liste de clients, évidemment, parce que si cette liste de clients, elle tombe dans les mains de votre concurrent, eh ben, il peut commencer à les démarcher. Un taux de remise avec pour ces différents clients, ça peut être une recette secrète. Donc Coca-Cola, mais pas sa recette sur Internet. Non, exactement. Non ni McDonald's, la sauce de son Big Mac. Etc. Ça peut être très important, mais ça peut être des taux de remise que vous avez chez vos fournisseurs. Ça peut être l'état de vos stocks pour savoir si vous êtes capable de répondre vite à une demande. Enfin, il y a toutes les données potentiellement d'une entreprise sont susceptibles d'intéresser quelqu'un. Et donc, il faut les protéger. Et à côté de ça, sans vouloir tomber dans le paranoïa... Ça fait un peu peur, là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le cloud, c'est une boîte noire sur Internet. Oui, moi, je me veux l'avocat du diable, hein, parce qu'avec vous en face. C'est une boîte noire sur Internet. Je ne sais pas ce que c'est. Ça me rend des services. C'est cool. Mais à côté de ça, il faut que je fasse attention. Moi, ça me rappelle... parce que je suis dans le logiciel libre, ça me rappelle Windows. On me disait, non, mais
faut faire attention avec Windows quand on va l'utiliser. C'est une boîte noire, vous ne savez pas ce qu'il fait de vos données, vous ne savez pas ce qu'il fait, ce qu'il va les transmettre à Microsoft, etc. J'ai l'impression qu'on a un peu la même chose. Oui, mais avec Windows, tu es dans une démarche, au moins ton Windows, il tourne sur ton PC que tu as physiquement devant toi et tu peux toujours arracher le câble Ethernet. Toujours, oui. Alors que non, là, tu ne sais même pas où est l'ordinateur qu'il faudrait débrancher. Ce n'est même pas toi qui installe le système d'exploitation, ce n'est même pas toi qui installe l'application. Comme un compte, tu n'as même pas lu le contrat de. Les conditions générales d'utilisation. Donc le cloud, c'est un contrat de confiance. Que tu n'as pas lu. Que tu n'as pas lu, sur Windows, le Windows 10 récent pose des vrais problèmes à ce niveau-là, parce que je ne suis pas bien sûr qu'on puisse le faire tourner sans le câble Ethernet aujourd'hui, et il transmet effectivement énormément d'informations. Mais c'est la toute nouvelle version, c'est peut-être une erreur, ou ils vont peut-être le corriger. On est dans le dématérialisé aussi maintenant. Après, sur l'aspect pratique du cloud, c'est vraiment un aspect très très important, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à une société informatique de vous développer un tableur propre à l'entreprise, ou un tableur à la rigueur, il y en a qui existent en application, mais sur plein d'applications qui peuvent exister en tant que service, un dashboard, des notes, plein de choses, il va falloir payer un hébergement, il va falloir payer un déploiement, une maintenance, il va falloir trouver les bons logiciels. Si vous voulez chercher des logiciels dans lesquels vous avez une confiance absolue, donc plutôt aller chercher vers l'open source, il va falloir des gens qui s'y connaissent, qui le regardent, qui l'adaptent vraiment à vos besoins. Tout ça, on parle vraiment de coûts qui sont vraiment extrêmement chers. Et à côté, on a une facilité dans le cloud qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, demander de l'espace disque, par exemple, dans le cloud, ça coûte vraiment presque rien, quoi. Donc l'aspect pratique, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, le débat, et des gens le disaient avant, mais le vrai débat, c'est que depuis Edward Snowden, on sait que effectivement, il y a un vrai risque pour les entreprises commerciales. On sait que dans le temps, c'était arrivé avec des sociétés comme Gemalto qui s'étaient fait racheter par les Américains parce que quand on devient vraiment trop important internationalement, on prend des risques en termes d'espionnage industriel. Aujourd'hui, on sait que si on génère un petit peu trop de chiffre d'affaires, les Américains regardent tout ce qu'ils peuvent sur votre entreprise et essaieront de rentrer. Et donc aujourd'hui, on sait que tous ces systèmes de cloud existants sont utilisés par les gouvernements, au moins, au minimum, pour se renseigner sur de l'espionnage industriel. Donc ce qui n'était qu'un risque, aujourd'hui, on sait que c'est vrai. D'accord. Donc le cloud, c'est quelque chose de distant, juste, ça marche. Je m'en préoccupe pas, je paye que ce que j'utilise, mais j'émets un contrat de confiance avec mon fournisseur. Si je résume, j'ai deux exemples pour l'entreprise. L'exemple favori, c'est Dropbox, c'est absolument génial. Si vous avez une flotte de commerciaux, ils ont tous votre liste de tarifs, votre liste de clients dans la Dropbox, et ils peuvent y accéder même s'ils sont à l'hôtel à l'autre bout de la France. Sauf que n'importe quel utilisateur de Dropbox qui a accès à un répertoire, il a le droit de le partager. Si c'est un commercial qui est en train de quitter l'entreprise, il peut aller partager le répertoire du fichier client, du fichier tarif. Et ça, ça ne concerne pas les grosses entreprises, ça concerne les PME, y compris les PME et les TPE. Donc il y a là un vrai risque en termes de confidentialité, sans même parler de la surveillance des États. Alors la surveillance des États intervient à un deuxième niveau. C'est si vous êtes même une PME et que vous avez une très bonne idée, vous pouvez faire l'objet d'un signalement automatique dans les serveurs américains auprès du ministère de commerce américain pour que les grandes entreprises américaines s'intéressent à vous. Si vous négociez un énorme contrat parce que vous avez touché le gros lot et que vous avez un excellent client à l'autre bout du monde, il est possible que d'un seul coup votre concurrent américain soit subitement au courant des remises que vous proposez à votre client. Alors, c'est pas il est possible, c'est qu'il est probable, en fait. Edward Snowden, dont on parlait brièvement tout à l'heure, donc un rappel pour ceux qui ont loupé l'actualité, en juin 2013, il y a un contractuel de la NSA, l'agence de surveillance américaine, qui s'appelle Edward Snowden, qui était révolté par ce qui était fait par les services secrets américains, a décidé de lancer l'alerte, parce qu'il faisait des choses qui étaient illégales, ces services secrets américains. Et donc, il est parti... De son bureau avec des clés USB plein les poches, qu'il a donné à des journalistes, et ça a donné ce qu'on appelle les révélations Snowden, où donc on a appris énormément de choses en ayant accès directement au PowerPoint
qui était présentée à la direction de la NSA. Donc la liste de tous les programmes et tous les objectifs de la NSA. Et en particulier, alors c'est des volumes énormes de données, puisqu'il était administrateur système, il a tout raflé les PowerPoint qu'il trouvait. Dedans, on explique que les vrais clients de la NSA, c'est certes les agences qui luttent contre le terrorisme, mais c'est surtout le ministère du commerce extérieur, le ministère de l'agriculture et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aspect économique est prépondérant dans le travail de la NSA. Et on a appris depuis par un autre lanceur d'alerte que tous les contrats de plus de 200 000 euros ou 200 000 dollars, à peu près pareil, sont en fait traqués par la NSA. La NSA, elle a un moteur de recherche interne qui permet de suivre toutes ces choses-là et que ça peut être mis à disposition des sociétés américaines. Donc si vous avez dans votre société un contrat de plus de 200 000 euros, il est très probablement, si la NSA fait bien son boulot, c'est probablement l'agence de renseignement qui a le plus de budget au monde, donc elle le fait assez bien, et que ce contrat est recensé et potentiellement communiqué à vos concurrents américains. Donc on a tous quelque chose à cacher. Voilà. Bienvenue dans la vie 2.0. Alors, juste historiquement, au tout départ, les premiers informaticiens avaient très très peur des États, de ce regard du Big Brother, etc. Et notamment tous ceux qui ont mis en place des systèmes de cryptographie. Et pendant très longtemps, les États se sont protégés contre la cryptographie en la déclarant illégale. Les cryptographies fortes n'avaient pas le droit d'être exportées des États-Unis, etc. C'est toujours le cas en France, on est limité en termes de cryptographie. On n'a pas le droit de faire des clés de plus de, je ne sais plus combien maintenant. Mais... moins de les donner, on en donnait une copie. Ah, oui, bah, ça revient au même. Voilà. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 10 ans, ça s'est arrêté, ça. Ces restrictions se sont arrêtées. Donc, plein de gens ont pensé qu'on avait gagné sur Internet le droit de créer une technologie qui mettait les utilisateurs... en mesure d'assurer la sécurité. C'est-à-dire que je pouvais avoir une communication sécurisée avec quelqu'un, je peux faire un stockage sécurisé à distance s'il est chiffré, ou je peux faire confiance à une société privée qui me dit qu'elle chiffre les données. Je vais lui faire confiance. En fait, bon, parmi les révélations Snowden, on se rend compte que les États, notamment américains, ont cassé certains protocoles de chiffrement pour mettre leur propre porte d'entrée dedans. Et puis, ils ont aussi cassé tous les centres de données des grands opérateurs, que ce soit Google, que ce soit Amazon, etc., pour avoir leur porte d'entrée plus ou moins officielle au sein de ces choses-là. Alors, c'est plus ou moins officiel. Des fois, il y a des lois qui l'interdisent. Des fois, il y a des lois qui l'autorisent. En France, on essaie de faire une loi qui autorise tout ce qui était interdit avant. Le fait est que ça existait. Donc, les États n'ont pas abandonné le fait de vouloir rechercher. Et un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est qu'ils ont cassé... ils ont cassé le jouet, en fait. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire confiance aux technologies pour avoir des échanges sécurisés, puisque les politiques veulent que ça n'existe pas, il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, si on veut avoir confiance dans le cloud, si on veut avoir confiance dans Internet, dans des services qu'on pourrait avoir sur Internet, il est très important que les entreprises, par exemple, puissent dire aux politiques, on a besoin que ces techniques de chiffrement, ces techniques de sécurité de vie privée ne soient pas juste... discuter comme ça à la va-vite avec des industriels qui n'ont pas les bons intérêts, mais on en a besoin pour faire une économie numérique. Il ne faut pas casser la cryptographie. Voilà. Je comprends. Depuis tout à l'heure, vous parlez de surveillance des réseaux. Vous parlez de la sécurité, on va dire, avec la législation en vigueur dans certains pays. Donc c'est quelque chose qui est important. De mon point de vue, il y a aussi le côté sécurité, on va dire, informatique. Car qui est-ce qui fait du pass, enfin du cloud ? Il n'y a que quelques entreprises dans le monde. Il n'y en a pas non plus 50 000. Donc on doit avoir 5 types de plateformes. Moi, hacker, c'est plus facile de viser 5 types de cloud que s'il y en avait une centaine ou des milliers. Donc si je trouve une faille de sécurité à un endroit, type le cloud d'Apple pour aller récupérer les photos, j'ai accès après à un peu tout ce que je veux. Alors là on rentre dans du détail, mais il faut bien différencier la partie dite publique, qui n'est pas forcément grand public, c'est ce que tu cites, c'est le cloud d'Amazon, celui de Microsoft, celui de Google, enfin ils en ont tout ça, ils ont tout ça. De ce qu'on appelle le cloud privé, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je loue un fournisseur, un cloud, parce que c'est la même technologie, c'est les mêmes outils, c'est le même fonctionnement, mais qui m'est dédié, qui est exclusivement pour moi et qui n'est pas relié à Internet, plutôt qui est relié à Internet par des moyens que je contrôle.
D'accord. Donc là, j'ai un outil privé qui m'appartient. Ça n'empêche pas que mon fournisseur peut quand même regarder ce qu'il a dedans. Tout à fait. Mais là, j'ai un contrat que j'ai signé avec lui en tête à tête et dont j'ai lu les CGU. C'est bien garanti qu'il ne va pas regarder. Parce que j'ai des données confidentielles dedans, j'ai des données d'usagers. Je suis une entreprise parapublique, donc j'ai plutôt des données d'usagers que des données commerciales. Mais mon fournisseur me garantit que les données me sont réservées. Et là, je peux agir sur le contrat. Parce que la difficulté du cloud public ou du grand cloud international, c'est qu'on ne peut pas agir sur le contrat. On ne peut pas demander à Google de modifier ses CGU pour nous. J'ai essayé, mais j'ai jamais répondu. Voilà. Pareil, si Google décide de fermer son service ou si un autre fournisseur décide de fermer son service, il n'a aucun engagement à vous restituer les données. Donc les données sont perdues. Alors que moi, mon fournisseur d'entreprise, moi, dans le contrat, il doit me les restituer, même s'il est mis en faillite. Parce, voilà. Parce que là, c'est du PaaS et c'est pas du SaaS. Donc c'est la plateforme et c'est pas du software qu'on prend dans du cloud. La manière dont je négocie le contrat. D'accord. J'ai deux cas, j'ai de la plateforme et j'ai du service loué, mais les deux contrats obligent mes fournisseurs à me restituer les données et à en assurer la confidentialité. Du coup, s'il y a un trou de sécurité, il y a quand même aussi des enjeux techniques de sécurité compliqués, s'il y a un trou de sécurité, c'est mon fournisseur qui est responsable. Ce qui n'est pas vrai si je mets mes données chez Dropbox ou Google ou un autre. Il est responsable de rien et en plus, il s'approprie les données. Bon. Il y a différentes échelles et différentes manières d'utiliser. En soi, c'est une technologie, c'est ni bon ni mauvais. La question, c'est de s'assurer, de savoir ce qu'on en fait, et pourquoi, et à quel niveau. Non. Effectivement, après, si vous lisez les CGU, il faut au moins les lire en diagonale. Il y a quand même beaucoup de CGU qui disent que vos données sont analysées. Donc, déjà, si ça dit ça, c'est pas la peine de les utiliser de façon commerciale. Enfin, par exemple, Gmail, tous les mails, c'est marqué dans les CGU, tous vos mails sont lus et analysés pour établir des profils publicitaires. Donc, voilà. Pour vendre de la pub, voilà. Donc après, c'est le métier de Google. Si on utilise des documents Google type spreadsheet ou documents Word sur Internet ou choses comme ça, il faut regarder les CGU. Est-ce que les documents sont lus déjà? Est-ce que rien que dans les CGU, c'est peut-être déjà écrit, quoi. C'est peut-être déjà écrit que oui, c'est lu, c'est analysé. Et c'est communiqué à des prestataires extérieurs. Donc, et après se pose la question des jeunes entrepreneurs qui commencent et qui n'ont pas les moyens. D'accord. Donc si je tiens pas mes données ou qu'elles sont pas confidentielles, je peux les mettre dans le cloud. Sinon, je les garde sur ma clé USB. C'est le meilleur endroit où elles seront sécurisées si je la perds pas ou que je la donne pas. Oui, on a quand même parfois besoin de partager ou besoin de travailler de façon collaborative. Moi, je vois les gens dans la vie réelle, je leur donne ma clé USB, avec le petit virus qui va bien, forcément. Oui, ça, mais puis après, de toute façon, on peut toujours essayer de mettre les gens en garde s'ils ont envie de faire des conneries. On fait des conneries. Hein. Il y a une expérience qui est très connue où quelqu'un avait laissé des clés USB à la cantine d'une boîte avec des virus dessus en disant attention, ne pas brancher, elles sont pleines de virus. Et ben les virus se sont mis dans l'entreprise parce que tout le monde a dit tiens, chouette, une clé USB gratuite, et bim, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils le branchent dans le PC et paf, le virus se transmet. Donc il s'était marqué dessus qu'il fallait pas les mettre. Hein, donc, les CGU, c'est pareil, c'est marqué dessus qu'il faut pas se servir du truc, ou au moins il faut savoir les conséquences, et les gens le font quand même. Hein. Et dire qu'on va bientôt avoir des voitures sans chauffeur, et on va pouvoir mettre notre clé USB avec un petit virus, et là j'aimerais pas être sur les routes. Ah ben oui, mais ça, les voitures, déjà il y a beaucoup d'informatique dedans, et il n'y a pas si longtemps que ça, General Motors a été obligé de faire un rappel de je sais pas combien, de 5 millions de voitures, parce qu'il y avait des hackers qui ont failli à ouvrir de l'extérieur leur voiture. Voilà, monter le son, à déclencher les essuie-glaces et les freins, et en se connectant à distance depuis Internet. Il est sorti après que General Motors était au courant du problème depuis 5 ans. Mais avant, personne ne l'avait vu. Hein. Pas vu, pas pris. Hein. Voilà. Moi, j'ai un autre problème avec le cloud. C'est que, encore une fois, ça centralise tout à certains endroits. Donc, en fait, on va commencer à avoir un web qui va être un Internet qui va être
centralisé parce qu'on va avoir des gros comme Amazon, comme Microsoft, Azure, etc. Et forcément, dans le logiciel libre, moi je suis aussi un adepte du net libre. Et d'avoir des réseaux centralisés, j'ai peur qu'après, on va dire que les tuyaux qui mènent Amazon vont être plus gros que les tuyaux qui mènent à mon blog hébergé dans mon salon. Ou des choses comme ça, qu'on risque d'avoir aussi un Internet à deux vitesses. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut arriver ou qui... Alors ça, c'est une problématique qu'on appelle la neutralité du net. Oui. Effectivement, il y a cette tentation, surtout chez les opérateurs télécoms, de dire... Ah oui, mais monsieur YouTube, vous gagnez beaucoup d'argent, donc on va vous faire payer très cher, ou bien on va trouver un deal pour que YouTube marche bien sur nos offres ADSL et que Dailymotion marche moins bien, par exemple. Et ben, y a des tentatives dans ce genre-là, mais il y a un principe qui s'appelle la neutralité du net, c'est que tous les paquets doivent transiter à la même vitesse et sans priorité. Je suis d'accord. Mais ça doit être inscrit dans la loi, ça. Oui. On en parle, j'espère, ça fait des années. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des choses comme ça qui ont été faites sur des acteurs du cloud, des initiatives dans ce genre-là ou pas? C'est une pure question. Pas à ma connaissance, non. Mais la neutralité du net, elle est plutôt attaquée par des gens comme Facebook, par exemple, qui, dans des pays en voie de développement, vont faire des bouquets de services où Facebook est gratuit si vous vous connectez en téléphone mobile, et Wikipédia. Mais par contre, tous les concurrents de Facebook ne sont pas gratuits. Donc de facto, ça c'est une violation de la neutralité d'Internet, au point que maintenant, dans ces pays, les utilisateurs, quand on fait un sondage, sont persuadés à plus de 95% que Facebook et Internet, c'est la même chose. Ce qui est quand même assez préoccupant quant à la liberté des gens et qui ne peuvent même pas imaginer qu'on peut faire des choses dans Internet au-delà de Facebook. Quand on voit à quel point l'Internet est devenu central dans nos vies, ça en laisse... Ça laisse imaginer à quel point l'imagination des gens peut être bridée dans ce qu'ils peuvent faire et la dépendance que ça engendre derrière. Enfin, il y a 10 ans, pour mes parents, Internet, c'était l'icône Internet Explorer. C'est un peu la même chose, parce qu'ils cliquaient dessus, pour eux, c'était ça, la porte d'entrée. Bon, il y a eu Firefox et ça s'est arrangé. Après, voilà. Mais oui, je dis ça il y a plus de 10 ans. Bah, c'est pour ça que j'étais très énervé à l'époque, ouais. Je me souviens bien. Voilà, c'était ça. On trouve les mêmes choses. Donc... Vous utilisez le cloud pour le public, pour votre entreprise, mais à titre privé, question, est-ce que vous l'utilisez? Par exemple, est-ce que votre smartphone est connecté à je ne sais pas trop quoi, et puis il y a les photos, est-ce que vous utilisez Gmail, est-ce que, je ne sais pas, ou est-ce que vous faites de l'auto-hébergement, ou est-ce que, des questions comme ça, pour savoir si vous avez, l'entreprise, je comprends bien l'intérêt, après le PERS, vous qui êtes des personnes averties, en plus. Est-ce qu'en tant que personne, vous l'utilisez? Ah ben, pour moi, c'est difficile de pas répondre à cette question. Parce que ce qu'on fait chez Cozy Cloud, c'est du cloud personnel. Oui. Donc pour l'individu. C'est-à-dire qu'on prend un matériel, et aujourd'hui, c'est formidable, il y a du matériel qui coûte très, 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 très peu cher. Grâce à l'industrie du téléphone portable, il y a des processeurs extrêmement puissants de type ARM, où pour quelques euros, ou quelques dizaines d'euros, on peut avoir des ordinateurs qui sont gros comme une boîte d'allumettes, et on peut faire tourner son serveur personnel là-dessus. Hein. Un ordinateur de ce genre, par exemple, c'est le Raspberry Pi 2, ça vaut environ 35 €. Et c'est gros comme une grosse boîte d'allumettes. Ça consomme trois fois rien, évidemment, c'était fait pour les téléphones portables, donc il y avait des problèmes d'alimentation, et ça vaut vraiment rien. Et nous, on fait un logiciel libre. C'est important qu'il soit libre, parce que comme il est libre, ça veut dire qu'on peut analyser le code source, on peut auditer le logiciel et savoir ce qu'il fait. Et il tourne sur un ordinateur qui est physiquement chez moi, que je connecte à ma box Internet. Et donc, ça y est, j'ai mon cloud qui est physiquement chez moi. Si je reprends les définitions qu'on a données tout à l'heure, le cloud, c'est un ordinateur que je ne connais pas et qui n'est pas le mien. Oui, mais justement, et c'est là, mon on est en cloud. Train de dire, je mets le cloud à la maison, mais c'est mon ordinateur et je connais. Eh ben, c'est le cloud, c'est-à-dire c'est l'ordinateur, mais qui n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est mon ordinateur. Il est connecté en permanence à Internet. Et du coup, je vais pouvoir dessus stocker mes photos, mes fichiers, mes emails, mon agenda, mon carnet d'adresses, et je vais pouvoir faire tourner des applications complémentaires. Je peux pouvoir y mettre ma musique. On est en train de développer une nouvelle application. Et puis c'est du libre, donc c'est une communauté, et les gens développent les applications qu'ils veulent, qui vont tourner sur leur Cozy Cloud.
crois que là, il y a... Moi, je voulais rebondir sur... c'est important de savoir ce qu'on fait et avec quoi. Parce que vous avez les mêmes fonctionnalités qui existent. Vous pouvez acheter pour un petit peu plus cher qu'un Raspberry Pi 2. Ce qu'on appelle un NAS, c'est-à-dire un serveur avec deux disques durs dedans. Et vous avez un espace de stockage très important. Et les fournisseurs de NAS mettent un système d'exploitation avec plein de services, dont des services de cloud. Et ils vous expliquent que c'est assez facile d'aller accéder à vos fichiers depuis Internet avec un tunnel sécurisé, HTTPS, tout ce qui va bien, à condition de saisir un compte sur leur site web. Sauf que quand on va regarder les petites lignes du contrat d'utilisation, on s'aperçoit qu'à partir du moment où vous avez créé cet identifiant, en fait, toutes les données de votre NAS qui est chez vous, posées à côté de votre ordinateur, elles sont dupliquées sur le cloud du fournisseur. Donc, si vous ne faites pas attention, vous prenez quelque chose qui est très pratique, qui est en vente libre dans le public, qui a plein de services très sexy, très intéressants d'usage. Pour une PM, pour une start-up, c'est idéal parce que ça coûte 200 € et vous avez un site web, un serveur de messagerie, enfin, tous les éléments qui vont bien pour vous faire un système d'information très performant. Mais en fait, toutes vos données sont dupliquées chez le fournisseur du NAS. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, je reviens toujours à la définition. Je suis un peu bête des fois. C'est que là, on est en train de dire que maintenant, le cloud, c'est d'avoir accès à mes données de n'importe où. Est-ce que c'est pas Internet, ça ? Oui, c'est Internet, mais c'est... Internet, ça n'est que relier des ordinateurs entre eux. La question, c'est où est-ce qu'on va sur Internet ? Donc le cloud, c'est d'avoir mes données tout le temps sur moi. C'est d'avoir mes données accessibles de là où j'ai besoin d'y accéder. C'est-à-dire y compris du train quand je travaille dans le train, et y compris de l'entreprise quand je travaille dans l'entreprise, et chez moi quand je travaille chez moi. D'accord. Et sur mon téléphone quand j'ai envie de les avoir sur mon téléphone. Quand donc je peux reprendre mon cabette, ma clé USB avec toute ma vie dessus, je la garde tout le temps chez moi, accessible n'importe quand j'ai un ordinateur. Donc je suis en train de faire du cloud personnel sans ordinateur. Sans ordinateur, exactement. La différence, c'est que la clé USB n'a pas d'écran. Ouais, après, avec un téléphone, on a un écran. D'accord. Alors sur ma carte micro USB que je peux brancher sur mon téléphone. Bon, en termes de sécurité, la clé USB, c'est vraiment pas le meilleur outil. Il y a eu des attaques sur le firmware USB en ce moment qui font que la clé se fait passer pour un clavier, puis pour un driver, puis de façon transparente. Enfin, c'est vraiment, au final, quelque chose qui, dans une entreprise, devrait disparaître à terme si l'entreprise applique une politique de sécurité. Donc, la clé USB, c'est vraiment pas terrible. Et après, quand on dit que le cloud, c'est Internet, au final, aujourd'hui, on arrive à un autre buzzword qui s'appelle l'Internet des objets. Qui est aussi une catastrophe en termes de sécurité, et on le voit avec les voitures. Demain, ce sera les frigos, les lampes, toutes ces choses-là. Enfin, aujourd'hui, toutes les startups qui se lancent dans l'Internet des objets, ou ça peut même être des grosses sociétés qui lancent des petits projets, la sécurité, ça passe complètement derrière. Donc ça, c'est comme dans la plupart des choses dans l'informatique. C'est-à-dire la sécurité, ça coûte cher, ça enlève du confort, et ça fait le même produit à la fin. Et donc, on ne le met pas. Ça coûte cher. Dans l'Internet des objets, ça coûte encore plus cher, c'est encore plus compliqué. Et aujourd'hui, on est déjà un petit peu dans l'Internet des objets. On a tous, aujourd'hui, tous un téléphone portable sur nous qui nous traque en permanence, qui enregistre plein d'informations sur nous. On peut utiliser des services dans le cloud pour aller mettre des images, pour aller mettre des documents. On est réellement tout le temps connecté à Internet, en fait, et avec un traçage. Et les sociétés qui ont mis en place ces services ne les ont pas mis pour notre service. C'est-à-dire, elles n'ont pas conçu un produit, je ne sais pas, comme on invente une voiture en se disant que ça va être pour les gens. Elles n'ont pas conçu un service pour les gens, elles ont conçu un service pour que les gens leur donnent de l'information. Il a été vraiment construit comme ça, c'est-à-dire je vous donne un petit service, en échange vous me donnez plein d'informations. Je vous donne un tout petit service, genre je vous dis qu'il est temps de racheter des œufs dans votre frigo, et en échange vous me donnez en permanence tout ce que vous mettez dans votre frigo et toutes vos informations sur tous les produits que vous mettez dedans. Donc les entreprises qui font ça ne sont pas là pour servir les gens et pour leur apporter un service grâce à Internet, elles sont là pour juste enregistrer toutes ces informations et les revendre. Et quand toute une industrie comme ça se met à penser toujours contre les gens et donc aussi contre les sociétés qui utilisent ces services, on a un vrai problème de culture, je trouve, aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, si je vois un client et que je lui dis « Ok, je vous mets dans le cloud, mais je vous préviens, c'est soit vous donnez toutes vos données au service secret français, soit vous les donnez toutes au service secret américain, ou de toute façon, vous les donnez pas, vous les donnez à un hébergeur et eux, ils arriveront à les retrouver. » Mais aujourd'hui, la confiance, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut aussi réussir à imposer, en arrêtant d'acheter des services gratuits
où on se vend soi-même, ou en tant qu'entreprise, en arrêtant de s'autoriser à ça, c'est-à-dire en allant voir des vrais acteurs sérieux qui vous proposent à un peu plus cher des solutions d'auto-hébergement ou d'auto-cloud, ou voilà, mais vraiment discuter avec eux pour que justement les gros ne gagnent pas. Ceux qui sont en train d'essayer de juste vous acheter ne gagnent pas. Mais il faut que, pour moi, l'important, c'est que les gens prennent conscience que la sécurité, au final, même si c'est cher et si ça enlève du confort, ça a une vraie utilité dans ce qu'on veut faire d'Internet. Oui, c'est on les protège. C'est ça, c'est leur sécurité à eux. Et tout le monde ne va pas connaître leur vie, ou on ne va pas dévoiler leurs photos. Voilà. Alors après, bon, bah, y a les discours hein, qui vont... Les grands patrons de grosses sociétés comme Google vont vous dire que vous n'avez rien à cacher. Ou si vous avez quelque chose à cacher, c'est que c'est pas normal. Voilà, ce type de discours vraiment bas niveau, quoi, ou le discours du ministre de l'Intérieur qui dit que la cryptographie, c'est le darknet, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, il faut aujourd'hui que ça ne passe plus, quoi. Il faut que la culture informatique se réponde, qu'on explique aux gens ce que c'est la sécurité sur Internet et ce que c'est Internet, pour que ce type d'idées vraiment trop simplistes qui sont là juste pour... voilà, il faudrait qu'ils disparaissent. On en revient à ce que j'évoquais au début. Si vous avez un service gratuit ou pas cher, c'est que vous le payez avec quelque chose d'autre que de l'argent. La question, c'est avec quoi, et c'est à vous de vous intéresser. Mais du point de vue de l'entreprise, si vous offrez un service à vos clients, vous ne pouvez pas faire en sorte que vos clients aient confiance en vous si vous ne pouvez pas leur assurer de la sécurité. Si les outils cryptographiques, je rebondis là-dessus, sont... déconsidéré parce que c'est le darknet, c'est dangereux, c'est des méchants pirates dans un garage, j'en passe les meilleurs. En tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas demander à vos clients de vous faire confiance. C'est pas possible. Si vous n'avez pas d'outils pour sécuriser la donnée, vous ne pouvez pas demander à vos clients de vous faire confiance. Donc la question, c'est de trouver le bon équilibre entre la sécurité, la confiance, la vie privée et la confiance. Dire que on n'a rien à cacher, donc on n'a rien à craindre, c'est comme dire qu'on ne s'intéresse pas à la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. C'est le même niveau de problème. Enfin, la citation Ed Snowden, elle est célèbre, mais c'est exactement le même niveau de problème. Moi, je voudrais juste demander à l'assistance qui a installé l'application Facebook sur son smartphone. Levez la main. Il n'y a pas de honte. Enfin, si, un peu, mais vous allez voir. Merci. Qui donc, va la désinstaller demain et l'application, alors, sur Android, il y a un système qui fait que vous avez... Il liste les choses auxquelles il veut accéder. Et j'ai commencé l'installation, que je n'ai pas fini sur mon smartphone, quand j'ai vu qu'il me demandait d'accéder à tous mes textos. Alors, pourquoi ? Je ne vois pas. Tous les contacts de mon carnet d'adresses, tous les rendez-vous de mon calendrier, tous mes fichiers dans mon téléphone, et j'en passe, et il y en a deux pages. Hein. Et en échange de quoi, j'ai accès à un service qui est Facebook. Personnellement, j'aime pas Facebook, je trouve que c'est de la merde. Bon, c'est mon problème. Hein. Mais j'ai regardé ensuite la comptabilité de Facebook. Ben, en échange de toutes mes données, il m'offre un service, quand on rapporte le prix d'exploitation de Facebook au nombre d'utilisateurs, c'est 5 € par an. C'est-à-dire que je donne toutes mes données de mon téléphone, ma position GPS, tout. Ça va chez Facebook en échange d'un service qui coûte à exploiter. Recherche et développement compris. Alors qu'ils en font énormément de recherche et développement, c'est pas juste de l'exploitation. Recherche et développement compris, 5 € par an. Alors qu'il y a un moment, c'était... C'est un deal qui était aussi scandaleux que quand il y avait... On est à Nantes en plus, c'est intéressant... Que l'esclavage en Afrique, où on donnait des verroteries en échange de terres avec des Indiens, ou en échange d'esclaves en Afrique. C'est du vol caractérisé. Et sauf que c'est nous les victimes aujourd'hui. Et on se laisse faire. Et on installe du Facebook à tour de bras. C'est du vol, mais on se laisse faire, et en plus on est au courant. C'est ça qui est pire. Voilà. Je vais vous arrêter, parce que c'est quasiment le temps. J'aimerais savoir, enfin voilà, je garde du temps pour des questions. Donc, si vous en avez, c'est le moment. Faut pas être timide. Parce que sinon, ils vont pas s'arrêter de parler. Hein, donc, je les connais. Pardon. Il y en a une là-bas. Merci. J'ai une toute petite question. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur le domaine de la santé.
L'autre jour, j'étais en train de parler avec des amis et on a réfléchi ouvertement, enfin sans, pas comme ça, et on se disait, on parlait d'applications qui permettaient, par exemple, avec une montre ou n'importe quoi, d'avoir des informations sur notre santé. Il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. On pourrait assez facilement imaginer que les startups qui développent ces applications soient rachetées par des financeurs, par des banques, etc. Est-ce que c'est raisonnable de penser que dans un futur relativement proche, des emprunts, des choses comme ça, puissent être autorisés, bloqués, parce qu'on utilise telle application, parce qu'on a telle ou telle maladie ? À votre avis. Alors, c'est pas proche, c'est déjà le cas. Voilà, on a un exemple à côté, je lui passe le Donc alors voilà, ça c'est un podomètre Fitbit. J'en ai un depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans. J'en suis super content. La semaine dernière, il m'a donné un badge en me disant bravo, vous avez parcouru à pied 4800 km depuis que vous l'avez. C'est-à-dire le Sahara d'est en ouest. J'avoue que j'ai perdu 13 kilos depuis, enfin bon, je l'ai toujours, quoi. Seulement, les données, elles vont de ça, par Bluetooth, à mon smartphone est connecté au Wi-Fi, le Wi-Fi est connecté au serveur en Californie de Fitbit, et moyennant finance, avec un abonnement de $50 par an, je peux récupérer mes données. Là déjà, ça frise l'arnaque, quand même. Enfin, ça a frisé l'arnaque. C'est-à-dire, on l'a franchi la frontière de l'arnaque depuis un bout de temps. Alors, j'ai gueulé, etc. Je suis allé dans les forums de Fitbit gueuler. Et en fait, ils commencent à ouvrir le truc, mais ça marche mal. Mais on peut récupérer ces données sans payer avec une interface buggée. À côté de ça, l'assureur français AXA offre des systèmes similaires à certains assurés. Moyennant, et ça reste à confirmer, l'accès aux données de santé du truc. Sachant qu'il y a exactement la même chose pour les voitures, où les assureurs américains, et ça arrive en France, mettent des GPS dans les voitures pour s'assurer que vous n'avez pas de coup de frein trop violent, ou que vous ne roulez pas trop vite, etc. Ou c'est pour les assurances au kilomètre. Voilà, les Unami, c'est ça. Les choses sont en train de mal tourner. L'avantage, c'est que si jamais on reprend le contrôle sur notre informatique, y compris l'informatique du cloud, aussi bien en entreprise avec des clouds privés que à titre personnel avec du cloud personnel, à ce moment-là, on va pouvoir fédérer l'Internet des objets avec un accès aux données. Et là, c'est vraiment l'enjeu qui est là. C'est qu'aujourd'hui, on dit oui, les données, c'est le pétrole du 21e siècle. On est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Derrick Facebook dans mon jardin, quoi ? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des multinationales qui viennent pomper le pétrole dans mon jardin et qui me donnent 3 gouttes pour allumer un Zippo, quoi. Mais ils gardent l'essentiel. C'est scandaleux. Alors que si je commence à exploiter moi-même mes propres données en mettant en place une infrastructure, comme on peut avoir une éolienne personnelle, vous voyez, un truc où je vais produire, ou je sais pas, où je fais mon compost moi-même, enfin bref, en autarcie, je peux utiliser mes données parce que j'ai un système, un cloud personnel qui me permet de les récupérer. Là, on commence à mettre en place un vrai processus de réappropriation des données et de réappropriation de l'informatique. Ici, on parle de logiciels libres. La vraie question, c'est celle du cloud libre. Comment je fais de l'informatique libre à l'époque du cloud ? Tu prends l'exemple de l'éolienne, on n'a pas le droit de produire du courant sans le revendre à EDF, en France, à l'heure actuelle. Les lois font qu'on n'a pas le droit. Et ce sera peut-être la même chose avec les données. C'est là qu'il faut faire vraiment gaffe. Dieu merci, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que les données, quand je les produis, normalement, elles sont à moi. Quoi. Oui, bonjour à tous les trois. Moi, je suis arrivé par curiosité à cet atelier. J'y connais rien, mais sincèrement, en vous entendant parler, ça me réconforte dans mes convictions. C'est que j'ai une vie privée à défendre. Je le ferai avec mes moyens, tant que je peux. Mais moi, le cloud, ça ne m'inspire pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ce système d'arnaque, de voyeurisme. Hein. Tout ce que vous avez dit par rapport au cloud, je ne vois vraiment pas où sont les points, les avantages. Je n'y vois que des inconvénients.
C'est-à-dire qu'on me force. On se retrouve dans la même configuration que quand vous achetez un ordinateur, vous êtes obligé, parce que Microsoft vous impose certaines choses, et tous les 6 mois, j'exagère, vous impose une évolution, une mise à jour. Mais on est où, là? C'est quoi tout ce truc-là? Moi, je préfère que si on veut partager les données, que le législateur ait un regard là-dessus et que ça se passe chez nous, en France. Moi, j'ai pas envie de lutter pour récupérer mes données chez je sais pas qui, voilà. Donc, les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, c'est pas mon truc. Voilà. Merci. Bon, merci. Oui, pourquoi pas? Non, mais après, parce qu'il y a aussi après des forces sociales qui poussent les gens aujourd'hui, par exemple, à avoir un téléphone mobile, alors que plein de gens ne voulaient pas avant, ou des choses. Donc c'est une des difficultés. Et juste pour revenir aussi sur le sujet précédent sur la santé, cet été, il y a eu le DEFCON aux États-Unis, qui est une conférence de sécurité. Une des grosses annonces cette année, c'était dans le domaine de la santé. Il y a plusieurs domaines qui ont été examinés au fur et à mesure des années. Ça peut être le transport aérien, les voitures l'année dernière. Là, c'était la santé cette année. Et tous les hackers qui sont intéressés au domaine de la santé ont dit qu'en fait, c'était le pire de tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, les hôpitaux, les appareils, on peut piloter des appareils qui contrôlent des gens qui sont dans l'hôpital, leur goutte à goutte. On peut les contrôler à travers Internet. On peut, dans un train, faire arrêter tous les pacemakers des gens parce qu'ils sont contrôlés par Bluetooth alors que personne ne s'en sert. Du Bluetooth, enfin mettre du Bluetooth sur un pacemaker quand on y pense. Quoi. Enfin, voilà, voilà. Donc la santé, c'est le domaine le pire. La sécurité, ils n'ont aucune culture de la sécurité dans la santé puisqu'ils pensaient que c'était là par défaut. Et aujourd'hui, si on prend une société comme Apple qui fait beaucoup d'applications de santé, notamment avec la montre, etc., derrière, il y a des accords avec les assureurs. Donc, voilà, les données sont directement revendues avec les assureurs. Donc on est déjà dans ce cadre-là d'un vrai problème, surtout sur les données de santé. Je vous remercie, c'est déjà la fin. Donc je vous remercie d'avoir participé. Merci à tout le monde.